Hello everybody, my name is Vasily and welcome to Gear One. Today we have a monster. This is Mustang 5-liter V8. And today we are in... On est où déjà là? Vous l'avez bien deviné, nous sommes dans la forêt. Nous sommes à Châtellerault en Suisse. Et à côté de moi, vous avez la Mustang GT que Ford produit depuis 50 ans. Et nous avons la 6e génération. C'est une voiture qui est beaucoup aimée par énormément de monde. Grâce à son design bien musclé, ça donne envie de partir dans le nord-ouest américain. Et là, nous allons partir dans le nord-ouest vaudois. I'm inside in the Ford Mustang GT 5-liter V8. It's really nice. Bon allez, je vais essayer de vous parler un petit peu en français parce que déjà que je suis pas super balèze en anglais. Voilà la 6e génération de la Mustang. C'est ça qu'on veut, c'est des V8 qu'on veut en 2017. On s'en fout des EcoBoost, on s'en fout des 2 litres 3. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Un 4 cylindres EcoBoost en mode éco dans une Ford Mustang. Mais les gars, oh! Oui, ok, ok, excusez-moi. Oui, je sais ce que vous allez me dire. On ne doit pas polluer, on doit subir un petit peu les constructeurs, ce qu'ils nous proposent, mais t'achètes pas une Mustang, achète une Ford Focus RS. Nous devons acheter cette caisse uniquement avec le 5-litre V8. Et rien d'autre, t'as compris? Rien d'autre du tout. Dans cette Mustang GT, nous avons plusieurs types de moteurs disponibles. À commencer par l'EcoBoost, 2,3 litres de la Ford Focus RS de 317 chevaux, un moteur V6, 3,7 litres qui développe 305 chevaux avec pas mal de couple. Et évidemment, le monstre que nous avons ici, c'est le 5 litres V8 qui développe 435 chevaux. Et la version top de cette Mustang sera la Shelby GT 350. Il y aura un moteur 5,2 litres V8 développant 535 chevaux. Malheureusement, chez Ford, c'est pas tout à fait bien fini parce qu'on peut voir la culasse qui est pas bien bavurée, contrairement à ses concurrentes allemandes, là où on peut pas dire un mot. Cette puissance de 435 chevaux et 530 Nm sont freinés par des disques ventilés à l'avant et ventilés évidemment à l'arrière, 380 mm à l'avant, 330 mm à l'arrière. Mais ça freine super bien. La première fois que j'ai appuyé sur ces freins, ça plante vraiment bien. Après, je ne sais pas au niveau de l'endurance, mais en tout cas, premières impressions de freinage, il y a assez, vraiment assez. Et puis la caisse, elle fait 1780 kg, donc c'est quand même pas léger, elle est quand même lourde. Malgré que ces ricains, ils ont réussi à faire un bloc en alu, les culasses en alu, tout est allégé, pas mal de pièces en plastique comme vous avez vu avant, mais ça reste quand même une voiture lourde. Enfin du nouveau, la 6e génération de la Ford Mustang, enfin ces Américains, ils ont compris qu'il faut oublier ce train dépendant, train arrière dépendant. C'est plus à la mode les gars, on n'est plus dans les années 50-60 là, c'est fini. Maintenant il faut mettre un pont avec les deux cardans suspendus indépendamment. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et maintenant nous avons le cul qui traque beaucoup mieux et c'est là que maintenant nous pouvons réaliser des meilleurs scores sur piste et puis bien évidemment on départ arrêter parce que nous avons les suspensions qui travaillent séparément sur chaque côté pour ceux qui savent pas ce que c'est la suspension indépendante, tandis que le train indépendant c'est une barre comme ça avec deux roues arrière qui fait un peu ce mouvement là quand on est lors de la courbe. La tenue de route elle est vraiment pas superbe, c'est un peu moyen. Les suspensions avant c'est du MacPherson fixé sur un berceau qui est très simple, léger mais solide, donc nous avons une direction qui est assez bien prononcée, mais la voiture reste, elle n'est pas tape-cul comme la Ford Focus RS. Bon, vous n'allez pas me dire que c'est pas la même catégorie, elle reste tout à fait gérable au niveau des virages, elle est agréable à conduire, je dis bien agréable, elle n'est pas tape-cul. Position d'assise très confortable, les maintiens sous le siège, alors ils sont bien prononcés, mais un grand point positif c'est qu'ils sont mous, donc quand on se pose sur le côté on ne se brise pas le coccyx. La même chose sur les côtés. Bon, une petite parenthèse, les Américains sont souvent assez gros, donc ils doivent être maintenus comme il faut. Siège très confortable, et j'aimerais rajouter encore un truc très important, c'est qu'ils sont ventilés et que les sièges sont chauffants. Que la ventilation dans ces sièges-là, quand vous faites un grand parcours, un grand trajet, c'est vraiment chouette, hein, je peux vous dire, parce que j'ai fait des trajets avec des sièges en cuir et quand c'est pas ventilé, votre dos, mais il se colle contre, t'as l'impression que c'est un œuf qui a grillé sur une casserole et t'essaies de l'enlever avec la spatule, t'arrives pas. C'est la même chose avec ton dos sur les sièges en cuir en été, hein. Impossible, c'est pas confortable, tu transpires, c'est la misère. La toute première Ford, même en étant statique, ne donne l'impression d'être en mouvement, sincèrement. Et notre exemple de la 6e génération,
peut aussi se mettre en avant avec cette qualité pour moi personnellement. Elle a une silhouette qui est rabaissée, qui est aérodynamique, avec la ligne de son toit qui continue à descendre tout gentiment comme vous pouvez le voir. Les portes de cette Mustang sont assez hautes et les passages de roues sont massifs et qui ressortent énormément de la carrosserie, qui souligne encore une fois que c'est une muscle car digne de son nom. La face avant de cette voiture est très agressive et méchante, grâce évidemment au bouclier, la grosse ouverture qui est au milieu, et les feux avant qui sont très bien taillés. Pour la petite histoire, Mustang, c'est le nom d'un cheval sauvage qui habitait en fait dans les parties nord-ouest des États-Unis. Là, sur la calandre avant de la Ford Mustang GT, nous pouvons voir ce même cheval, ce Mustang-là, qui est en train de galoper. Bon, là, j'en ai marre d'être américain. Là, je vais me lever, c'est Reban now. Ok, man. Et je vais profiter de bien voir clair la route. Et puis ce monstre capot qui est juste devant moi, c'est monstrueux. À part ça, la bosse que vous avez devant vous, j'ai mis le siège tout en bas. Oui, ok, je suis grand. Mais la bosse que je vois devant moi, c'est impressionnant. J'ai l'impression que j'ai un cavalo. J'ai un gros V8 qui va dépasser, qui va sauter par-dessus le capot. Sur l'avant de la voiture, un élément qui est très important, c'est le capot. Le capot avant est une grande particularité. Comme sur la Mustang d'avant, 1964, c'est la partie qui rend la voiture brutale et qui fait tout un charme et qui nous fait comprendre que sous le capot de cette dernière, pas un petit 1,8 litre TFSI ou un 2 litres TFSI turbo compressé, c'est un vrai 5 litres V8 digne de son nom, montre que c'est une vraie muscle car, que c'est un vrai V8, une vraie propulse qui envoie. Bon, maintenant, je vais laisser passer la voiture qui est derrière moi. Donc, de 0 à 100. 1, 2, 3. Wow, wow, putain, c'est bon. Comment on peut autoriser des jeunes à acheter ce genre de caisse? 5,7. 5 secondes 7, toujours. Mais ça envoie quand même bien. Écoutez si vous pouvez, écoutez ce bruit, les gars. Oh, c'est trop gratte et tout. Vas-y! Oh, c'est beau mon gars, putain, c'est magnifique. Porno mon gars, c'est du porno ça. Je roule tranquille, machin, tac tac. Cette Ford Mustang GT, elle est équipée d'une boîte à vitesse automatique à 6 rapports avec les palettes. Et franchement, ça m'a impressionné un petit peu parce que les rapports passent super rapidement. Et puis même quand tu rétrogrades, ça va vite. Si je dois vous parler un petit peu du design de l'intérieur, donc c'est fait dans les traditions de la Mustang avec les deux cockpits, on va dire, séparés, mais qui sont symétriques à gauche et à droite. Et puis avec un rappel de la Mustang qu'elle était produite en 1964 qui est sur votre droite. Après, vous avez des petites aérations d'air, rien de particulier, un écran assez grand et puis l'écran il a pas mal de possibilités et pas mal d'options quand même. Le volume, les boutons, tous les boutons sont gros et assez parlants. C'est pas d'une finesse impressionnante comme on a l'habitude de voir sur les Allemandes, mais tous les boutons sont très utiles et franchement rien à dire. Ce bruit, je pourrais conduire toute la journée. Et l'insonorisation de l'intérieur de la voiture, donc elle est à un niveau assez moyen. Nous pouvons l'avoir à partir de 42 000 francs. Les entrées de prix un peu de ces voitures-là, avec le minimum d'options. Et puis, nous pouvons monter jusqu'à 62 000 francs. Les plaques, ouais, ouais, les gars, ouais, ça fait mal alors. Les plaques, les gars, ça va vous coûter, pour cette version-là, donc avec un V8 5 litres, ça va vous coûter 1160 francs par année. Et oui, c'est un véhicule qui est lourd et c'est un véhicule qui est puissant. Donc, je parle bien des prix pour le canton de Vaud. Ouais, on peut percevoir aussi quelques défauts de cette caisse, comme on a pu voir avec le proprio. L'écran, il avait un peu de peine à s'allumer, des fois il bug, c'est pas super bien ajusté. Les finitions un petit peu intérieures, voilà, vous touchez le plastique ici. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, moi ça me rappelle Ford RS, ouais. C'est un peu du Ford quoi, ils ont économisé là-dessus, clairement. Voilà mes chers, nous arrivons à la fin. J'ai essayé cette magnifique Ford Mustang GT 5 litres V8. Si je fais un petit pas en arrière, cette voiture est produite depuis plus de 50 ans. Et elle m'a conquis comme les 22 000 personnes qui l'ont commandé, qui l'ont acheté le premier jour de sa sortie. Et son prix était, si je me rappelle bien, 2 368 $ pour l'époque, mais les gens gagnaient bien moins qu'aujourd'hui. Et de nos jours, cette voiture, vous pouvez la voir environ entre 40 et 60 000 francs. Prix de cette voiture que j'ai essayé aujourd'hui, 50 000 francs avec les options. Et là, j'ai quelque chose que vous n'avez pas dans les autres voitures. Et ouais les gars. Bref, cette voiture m'a énormément plu et l'argent qu'il coûte, ça vaut vraiment la peine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle vous a plu.
Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à s'abonner sur notre chaîne. Nous avons besoin de votre soutien. Soyez nombreux à vous abonner à notre chaîne Facebook, YouTube et Instagram pour qu'on puisse tester de nouvelles caisses avec mon collègue Edgar et pour qu'on puisse faire des challenges qui déglinguent. À la prochaine.